Bonjour, mes stagiaires. Bonjour. Bientôt, on va voir maintenant dans le cadre de la comptabilité générale la création des effets de commerce. Il y a création. Des effets de commerce lorsque le fournisseur tire une lettre de change tire une lettre change sur son client ou lorsque le fournisseur reçoit un billet à ordre. Souscrit par son client. Voilà. Eden. Déjà vu dans le vidéo précédent, les définitions de la lettre de change et le billet à ordre. La lettre de change, on avait déjà dit que c'est un écrit par lequel une personne lui tire de l'or à une autre personne, lui tirer de payer en échéance une somme déterminée à un bénéficiaire et le tirer lui-même ou un tiers. Il constitue un acte de commerce par la forme. Par contre, le billet à ordre est un écrit par lequel une personne appelée souscripteur s'engage à payer une certaine échéance une somme déterminée à une autre personne appelée bénéficiaire. Maintenant, nous entamons un deuxième point des effets de commerce, c'est la création des effets de commerce. Il y a création des effets de commerce lorsque le fournisseur tire une lettre de change sur son client ou lorsque le fournisseur reçoit un billet à ordre souscrit par son client. D'après ces définitions, bien, la création d'un effet de commerce un effet de commerce ajoute des droits supplémentaires à la créance initiale. Premier point à traiter, elle devient exigible à une date donnée et payable dans un lieu donné. Deuxième point, la créance devient transmissible au moyen de la formalité qu'on appelle endossement. Il va circuler en attendant chez Wahid. L'effet. Je suis en attendant chez Wahid. Je suis en
ولا عاوتاني اي اون كا دو بيزوان دو ليس كونتي الى احتاجنا الفلوس نمشيو للبنكة ناخدو فيها شي كريدي بيان سور اوبري دو لا بنك Encore, tout effet de commerce, tout effet de commerce constitue en même temps chez le fournisseur un effet à recevoir Ça veut dire créance mobilisable mise en portrait. Et chez le client, un effet à payer. Un effet à payer, ça veut dire engagement de billet mentionné sur une échéance. Je recommence cette idée. Tout effet de commerce constitue en même temps chez le fournisseur un effet à recevoir. Ça veut dire créance mobilisable mise en portrait. Et tu l'as dit, nous avons un cas de créance en fait court. Il y a une sorte de l'endossement ou la mise en chez le client, un effet à payer. Engagement de payer mentionné sur un échantillon. Très bien, je vous un autre point. Comptabilisation. Lors de l'entrée, des effets en portrait. Son portrait, le montant est porté au débit du compte. Client effet de ce voir comme j'indique plus haut par le crédit du compte client. كتلقى واحد وعشرين. إذن جو في جورنال نطحة في جورنال الشهر
3, 4, ah ouais, voilà. Le montant X. X. Voilà. Et un haïti. Le fournisseur est maintenant je comptabilise chez le client après. Après, voilà, après acceptation de la lettre, de change ou émission. De bien à haute, le montant est enregistré au crédit. Du compte voilà. Je pense 15, c'est ça, fournisseur effet à par la contrepartie, du compte par l'avantage fournisseur. Fournisseur effet appel valvardage valvardage. X, X, voilà, et donc voilà la comptabilisation des effets de compte, la création des effets sur le client, sur le fournisseur. Merci de vous, attention, jusqu'à la prochaine séance.